Salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur la partie 2 de l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm, les amis. Et on est tout de suite parti, voilà. Donc, par contre, je tenais à vous préciser que je n'avais pas complètement terminé le premier épisode 1 à cet endroit. Du coup, j'ai encore quelques petits choix que j'avais déjà fait dans l'ancienne partie 1, du moins. Donc voilà. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir Drugs are free here. Passer aux choses sérieuses. Man, why didn't anyone tell me before? Zone anti-drogue, très bien. MDR. Annonce. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Académie Blackwell. Le futur a besoin d'excellence. Prescott. Oui, dans Prescott. Bon, ça parle de Prescott, c'est pas bien. C'est pas bon. On va aller parler avec notre cher ami Elliot. Bonjour. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit. I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Allez, allez, un petit câlin, ça fait pas de mal. Ok. C'est un peu malaisant, j'avoue, mais ça fait pas de mal. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Louper le spectacle, ouais, peut-être. Désolé, non. Ouais, peut-être. Yeah. I mean, I'm not really big on making plans, but maybe. Cool, cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Let's go. Autocollant. My other vehicle is drama. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a plein d'autocollants. Someone's trying a bit too hard with those bumper What? Stickers. Qu'est-ce que? Putain, je m'étais pas attardé sur les véhicules la dernière fois. Puisque du coup, j'étais déjà à 20 minutes d'épisode. Mais c'est assez bizarre. It's about damn time. Ouais, David, ouais, c'est assez please. Bizarre. Alors, on va aller leur parler à eux là. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Chloe, your mother and I have been talking. Je m'en fous. Je m'en fous, on peut faire ça plus tard. Je m'en fous. I don't care. I know. That's what we need to talk about. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Sinon quoi? Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? How to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Rien de mal à ça. Quelqu'un avait besoin de mon aide. Je crois que ça a modifié mes choix. Quelqu'un a besoin de mon aide. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel?
because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother. We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me, swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Bon, si tu veux. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Refuser. Je refuse, catégoriquement. Mon choix n'a pas changé. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist, and I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were expelled. Somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt. And you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook. I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Je sais que j'ai tout foiré. Tu fais de ton mieux, je le sais. Bon, bah, je vais mettre ce que j'avais dit avant. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like.
There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Eh bien, très bien, les amis. À partir de là, par contre, je ne connais plus rien. Voilà. C'était le dernier passage que je connaissais. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ugh. This thing is a mess. But maybe I can fix it. Ça c'est notre voiture. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Et donc, on se retrouve dans la décharge avec notre petite batte de baseball. Donc, trouver une batterie, la mettre dans le pick-up. Ok. Du coup, il y a ça, berceau de batterie. Ah, ça, c'est une batterie. Oh putain, je m'y connais pas en voiture, moi. Un mec qui se connaît pas en voiture. Oh mon dieu. Pardon, une tête de mannequin. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Pauvre petite tête de mannequin. Elle n'avait rien mérité. Pauvre Natasha. Panneau. American Rust, d'accord. Très bien. C'est pas exactement ça que je cherchais. On va plutôt chercher une petite batterie. Si possible. Par contre, la décharge, elle est plus ou moins grande, donc c'est un peu chaud quand même. Ah non. Ouais, non, en fait, non. On n'a qu'à chercher dans les voitures, en fait. Je suis bête. Regardez de plus près. This one won't work. Oui, bon. Quand tu vois une batterie rouillée à ce point, elle va difficilement marcher, en effet. Avis saisi. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Shitty ride, drug dealer. Attention! Ce véhicule a été saisi et confisqué lors de l'exécution d'un mandat. D'une ordonnance. C'est bien. Ok, d'accord. On s'en fout. On s'en fout strictement. Complètement. Ah, elle s'ouvre pas celle-là. Ah. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Allez, force un peu, Chloé. Bon. Attendez les gars, la troisième c'est souvent la bonne, la troisième. What are you trying to hide under their hood?
Bon, ok. On abandonne. Allez, salut. Ah, quoique. Peut-être que... Ah. J'allais me tirer quand même, hein. J'ai failli me tirer un moment. Celle-là, elle a l'air de plutôt fonctionner, non? Elle a pas trop l'air d'être en piteux état, cette voiture. Elle a l'air plutôt jolie, hein, cette petite batterie. Ah, bah ok, bah, on l'a déjà trouvé. C'est magnifique. C'est tellement magnifique. Ah, par contre, les amis, oh, les graphismes de ce jeu, oh, je kiffe trop. De retourner sur ce jeu, je sais pas, les amis, mais... Ah, c'est un pur bonheur pour moi de retourner sur ce jeu-là. Je vais... D'ailleurs, quand on aura terminé l'épisode 2, les amis, je vous dis, je risque de vouloir jouer à l'épisode 3 tout de suite, même s'il n'est pas sorti. Oh, mon Dieu. Je kiffe ce jeu. Allez, on met cette batterie en place. Put in there, please. Thank you. Hey, tu dois pas non plus. On a failli mourir, les amis. Du coup, là, j'ai plus de repères de temps, par contre. Du coup, je sais pas du tout à combien de minutes on en est dans la vidéo. Du coup, sûrement à la prochaine icône de sauvegarde, on s'arrêtera là. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bah, dis-moi, elle marche pas top top, cette voiture. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Mm-hmm. On peut le décorer. Regardez. Probably a good idea to cover over this with something. Okay. On a une icône de sauvegarde, les amis. While an escape hatch could Mais je ne vais pas m'arrêter là. I should probably cover over this massive hole. What? Pourquoi on peut... Maybe there's another light bulb I can put in here. Ah, ok, non, je sais. Non. On doit trouver des trucs, genre une couverture, des trucs comme ça. D'accord. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. D'accord, donc nous, en fait, on vient dans une déchetterie pour prendre des déchets pour notre future voiture. D'accord. On recycle, en fait. C'est bien de recycler, ouais, mais c'est un petit peu bizarre comme manière de procéder. Mais en effet, c'est bien. C'est bien. Ah, ça, je le verrai bien à l'avant de la voiture. Alors, voiture de papa. Ah oui, ça, c'est la voiture de William. C'est un petit peu triste, mais bon. Mais bon. Alors, montez. Monte sur ce bateau et ne tombe pas. Je le sens mal. Je le sens mal, les amis. Damn, you cigarettes. Ouais, mais écoute, c'est facile de monter un truc comme ça normalement. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bref. Allez, escaladons. Oh, ça va se craquer à tous les coups, ça. Non, c'est bon. Tout va bien. Du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau? Shit. De quoi shit? Ah, d'accord. Il risque de pleuvoir un petit coup, mais non, c'est pas très grave, ça. C'est pas très grave.
Le capot, on va le taguer, premièrement. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Cimetière, trésor enfoui. Cimetière, bien sûr. Got it. Mm-hmm. Qui cries-tu, mon enfant? Montre-moi ce tag du démon. RIP Captain Blue. Ok, d'accord. Tab journal. Comment on fait pour aller dans le journal déjà, moi? Je sais plus, mais bon, pas grave. Pourquoi monter? Ah, ok. Mais ça sert strictement à rien en fait de monter. Ouais, ça sert strictement à rien. Ah non, d'accord. Choper une belle vue. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Uh-huh. C'était intéressant cette petite séance. J'aime beaucoup. Allez, on sort de ce bateau. Du coup, pour l'instant, on a que la petite figurine d'Elvis Presley, là. Hein? Ah, ça commence à casser les dents, là. Ah, il me faut une ampoule. Les gars! C'est quoi ce jouet, là? Light the way, Robobulb. Hop, d'accord. Mais... Ah! Ok. Bon, en parlant d'ampoule, je crois qu'on en a chopé une. Tisonnier. Je ne sais pas ce que c'est. Au revoir. Magazine non plus. Une radio allumée. Pas mal. Elle fonctionne toujours. C'est déjà ça. Un drapeau pirate. Ah. This might make the perfect cover for that torn seat. C'est parfait, et en plus ça nous rappelle Max. Ça fait une pierre deux coups. C'est parfait. Du coup, il y avait un trou, je crois, il me semble. Peut-être que... What? C'était pas écrit un truc, hein? Magazine porno. Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Et what the fuck? Then again. It's probably not what this person meant either. C'est quoi ça? Four, something. Ah. Ça, je pense que ça veut, ça va couvrir notre le truc. On avait un trou dans la voiture, si vous vous souvenez. Je pense que ça fera le taf. Allez, on y retourne. Bonjour. Au revoir. Bientôt. Bonjour petite voiture. Tu es très jolie, dis-moi. Putain, je sais plus parler, les amis. Franchement, ce nouveau système de jeu là, il est super cool. J'aime bien. Où on a des petites actions comme ça, on doit chercher des trucs. Je crois pas l'avoir déjà vu dans l'ancien, enfin dans Life is Strange en tant que tel. Je ne pense point. Et du coup, c'est bien. Ça ajoute une petite nouveauté et c'est pas mal. J'aime bien. Waouh. Je galère à parler de ouf là, je sais pas ce qui me prend. Je ne le sais pas. Et on va mettre une petite ampoule ici. Voilà, voilà. Bonjour. Et le chanteur, il nous reste... What? Hey, on n'a pas mis le chanteur. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Ah si. On a mis le chanteur. Good talk.
Par contre, ça a mis des conséquences. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Apparemment, il va y avoir des conséquences. Ok. Would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like, drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? On est cool, téléphone prépayé. On est cool. I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Bon, je pense que les amis, on va s'arrêter là. On va pas tarder à s'arrêter. Ça doit faire un petit moment déjà. Time for a hard-earned smoke break. En plus ça sauvegarde, c'est parfait. Eh bien les amis, j'espère que cet épisode, cette partie 2 de l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm vous aura plu. On se retrouve pour la partie 3. Si c'est le cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve, comme je disais, pour la partie 3. C'était Xel. Ciao ciao.